Bonjour à tous les amis, ici Zone Peace et nous revoilà sur ce let's play de Pokémon Rouge. On s'était laissé la semaine dernière, c'était jeudi. Jeudi, un jour normal. Hein. Une semaine un peu tourmentée par Noël. Où il n'y avait qu'un épisode par jour de let's play ou autre. Et je viens de me faire agresser comme un gros con. C'est le fail de début d'épisode. C'est pas grave. Alors, on va faire fuite. Et la dernière fois, on s'était laissé en plein milieu de la grotte sombre devant le montagnard. Et j'avais mis Herbizarre, ouais, je viens de voir ça. Pour pas me fail. Pas mettre un Pikachu devant lui, quoi, bref. Et donc, on va dans cet épisode, je pense, finir la grotte. Je pense pas trop m'avancer en disant qu'on va arriver à la ville. Et on va commencer par ce dresseur. Mes Pokémon vont te faire pleurer. Moi. Alors, vous n'entendrez plus de bruit de chaise qui craque comme derrière parce que j'ai ma nouvelle chaise que j'ai eue pour Noël. Magnifique chaise. Je peux me pencher chez... Oula. Je peux me pencher. Je suis trop content. Je vais me pencher en arrière sans faire craquer, écoutez ça. Vous n'entendez rien, sauf moi qui me balance, bien sûr. J'ai vraiment la pêche de vous retrouver sur ce let's play. Hein. Ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné. Alors je le tourne un peu en avance parce qu'on va être à la bourre pour l'assaut de l'Enderdragon. Vu que Firecross n'est toujours pas revenu quand je tourne, c'est samedi. Hein. Non, vendredi. J'ai une faille spatio-temporelle, hein. C'est vendredi aujourd'hui. Ça doit être les vacances, ça me perd un peu. Donc Firecross n'est toujours pas revenu, il reviendra dimanche vers les 6h. Du coup je prends un peu d'avance pour le lundi. Histoire que je me retrouve pas dépourvu et je viens de voir que j'ai laissé ma souris devant. Voilà. Excusez-moi. Alors, on va se faire dresseur. Donne-toi à fond, mon mignon. Encore un pédopire. J'espère que je me suis pas fail. Non, c'est bon. J'ai cru que je m'étais fail, j'avais coupé mon micro, mais non, non, pas du tout. Un match. Bon, on va l'éclater. Coupe. Ah, ça fait du bien. De jouer comme ça. En filmant. Ça faisait un petit moment. J'espère que pour vous, Noël s'est bien passé. Vous avez eu vos cadeaux, etc. Je suis bien content, j'ai eu ma chaise. Un petit cadeau. Rien de grand. Rien de grand, mais par rapport à celle que j'avais avant, celle-ci est beaucoup plus confortable pour mon petit cul pendant que je joue aux jeux vidéo. Je commence à raconter n'importe quoi. Et Herbizarre a monté niveau 29. Oui, c'est vrai. Attendez. Mince, détruit. Qu'est-ce qu'il dit? Bref, j'ai regardé pour Roucoups quand il apprend une attaque de type vol. Il apprend niveau 31. Cruel. Et après, niveau 50, mimique. Enfin, 50, je sais plus combien. Donc, voilà. Moi, qu'espère qu'il apprenne au moins niveau 28. Non, niveau 31. Oui, j'ai mis la torse. Je sais même plus ce que je fais. Je le fais et après j'oublie. Il est long ce tunnel. Oh oui. Aucune illusion. Aucune. Alors, on va veiller les Aviator un peu pour changer. Mais je vais spammer. C'est pas grave. Ouf. J'ai une baisse de FS. Alors, je me suis renseigné, si des fois mes jeux lag pendant que je filme, c'est une baisse de FPS, de fraps, apparemment. On va changer. Du coup, ça fait laguer le jeu. Donc, c'est quand plusieurs choses s'accumulent. C'est assez bizarre. Je sais pas de quoi ça viendrait. Tadam! Je suis bien content de retrouver cette petite musique.
Surtout qu'en ce moment je suis à fond dans les jeux un peu rétro comme ça. Bon, même si je joue à Zelda Link Between Worlds, on peut dire que c'est un peu un jeu rétro parce qu'il ressemble beaucoup à A Link to the Past. Très bon jeu aussi. Ah, Between Worlds. C'est un bon jeu quand même, faut pas dire, même si je trouve un peu cheaté qu'on ait un peu toutes les armes du début. Bon, c'est un petit peu un spoil, si je vous dis. Voilà. Mais franchement, il est très bien. Si vous pouvez procurez-le vous, il en vaut la peine. C'est un Zelda. Hein. Il en vaut toujours la peine d'acheter la console qui est 3 fois plus chère que le jeu. Oh, t'as gagné! Attention à Onyx, il pourrait t'écrabouiller. Mais non. Bon, là, on se fait tous les montagnards. Bon, 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 je suis perdu. C'est con pour toi. Sachant qu'il y a un chemin. Je sais pas comment ils font pour se perdre. Ouh, un Onyx. Ouais, Onyx va pas m'écrabouiller, je fais des bulles d'eau, le team. Alors, je regarde un peu le temps où on est. Ah, la phase! Ah, le fail! Bon, on va dire que ça fait depuis 5 minutes. En fait, je viens de me rendre compte que... Ah ouais, mon super chronomètre sur mon portable marche que si mon portable n'est pas en veille. C'est super! On va charger 5 minutes aux 47 secondes. Ça fait troll. Moi qui voulais innover, prendre un chronomètre sur mon portable pour pas l'avoir à côté et que ça fasse moins de lag. J'ai tout gagné. Oula. Toujours ces bugs de son, là, je sais vraiment pas comment les régler. J'ai cherché hein, sur internet, mais j'ai pas trouvé. Je sais que Siphano, dans son display de Pokémon Bleu, avait réussi à régler le problème à peu près. Ça le faisait moins souvent, mais moi, je cherchais, j'ai rien trouvé. Ce Pokémon endormi sur la route 12 m'a obligé à faire des tours. Donc, voilà. Siphano, d'ailleurs, allez voir son display, il est excellent. Placement de produit alors que je le connais même pas. Alors, on va fuir. C'est qu'il y en a sur un petit. Hop. Alors là, je sais pas si on peut continuer à droite. Oups. Un profane comme toi me doit le respect. Ah, j'adore cette nouvelle chaise. On peut se pencher. C'est magique. J'ai l'impression d'être sur un rocking chair des fois. Je spam assez super. Ce que je vais faire, c'est... Hop, comme ça quand je spam rien. Non, 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 non. Ce vieux troll, pour ça il se met en veille tout seul. Je sais pas si ça a changé quelque chose. Parce que j'ai pas dû, vous savez, faire le... glisser le doigt, là. Oh, un gravelanche. J'essaierai de régler ça pour la prochaine fois. Perdu. Faire en sorte que se mette pas en veille toutes les deux minutes, là, parce que c'est de la merde. Tu pourrais faire un bon montagnard, mon petit mec. Mais j'ai pas de Pokémon Roche. Bon, il y a qu'à ce chemin, c'est par ici. Alors là, je crois qu'on est presque à la fin, hein, déjà. Ça fait à peine 10 minutes que je tourne. Je crois. Bon, vous savez quoi? Les 5 minutes qui sont pas comptées sur mon chronomètre comptent pour rien. Hein. L'épisode sera de 35 minutes. Comme ça, moi je serai pas perdu et vous serez content. Vous aurez un épisode de 5 minutes de plus. Ça sera pour le temps perdu face à Miracaillou d'être sur un petit. Ça m'énerve. Alors, fuite. Ah.
Yusuke pour l'instant. Non, 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 non. On va pas laisser les biotards. Elle, c'est une fillette, elle va avoir des Pokémon plantes. Il me semble. Hein. Si mes souvenirs ancestraux sont bons. On va mettre trop. Oups. Même s'il a pas d'attaque vol. La nature, c'est beau. Moi, j'aime la nature. Et pour mon anus, j'ai choisi Brock. Brock, promesse tenue. Eh ben, j'ai de mauvais souvenirs. Non, c'est pas grave, c'est un rondoudou après tout. Ah, je suis en train de penser dans cet épisode, peut-être qu'on va capturer Kalinus. Je voulais déjà dire Kalinus dans notre équipe. Ah d'ailleurs, pour le 6ème Pokémon, faudra que je vérifie quelque chose. Je vais pas vous spoil parce que ce sera dans un petit moment encore. Ouais, je crois qu'on va aller chercher Kalinus. Comme ça, pour la prochaine fois, je l'entraînerai. Il faudrait vérifier cette chose pour le 6ème Pokémon. Je sais qu'il est dans cette version, mais c'est pour autre chose. Je vous en dis pas plus. Juste un indice. Il est dans la zone où on va aller. En gros, il est plus très long. On va le capturer. Ça se trouve dans le prochain épisode. Ouais. Oh, au secours! Ça, tu t'es pas violé non plus. La meuf, t'as qui c'est toute seule. Alors, montagnard. Rakayo. Suis trop fort. Montagnard, c'est bête. Montagnard fait appel à Rakayo. Dieu troll, pour une fois je spam pas A, en fait par habitude j'ai descendu et j'appuie sur A donc... Ah merde, morsure c'est pas une attaque mais ténèbres, bon ça suffit. J'ai juste 2 secondes, baisser un peu le son parce que je trouve qu'il est un petit peu fort par rapport à d'habitude. Bon même si il est pas très fort mais voilà. Ah, là je m'entends mieux. Sinon je m'entends pas parler, c'est un peu bizarre. Oui, je me suis pas fait. Tu l'as dans l'os, Rakayo. Même si tu n'es pas un oslet. Ouais, on commence à avoir des Pokémon intéressants, hein, franchement. Des Gravalanches. Et je dis pas non, pour l'XP, ça me tire moins le coup. Je crois que c'était 350 pour un Rakayu, il a 600, c'est quasiment le double. Ça, Léviathan monte en 28. Oups, niveau muscle, 0. Non, t'as que de la graisse, gros sac. Même Pikachu en premier. On verra par rapport au dresseur suivant. Ok, en dessous, il y a pas une. Donc, les zones que je suis pas allé voir en haut et en bas, il n'y a rien, mais j'hésite juste pour la dernière. Vu qu'en haut il y a l'échelle, en bas il pourrait y avoir un objet, je sais pas. On sait jamais. Non, y'a rien. Je suis vraiment content de. De Pokémoner. Ça c'est carrément dedans. Je suis bien content d'y revenir. Tu as un Pokédex? Je le veux! Calmos. Ah, Ramolos. C'est très efficace.
Donc pour ceux et celles qui se demandent si j'y ferai voler mon Pikachu, oui. Seulement une fois qu'il aura pris Fatal Food. Si après il apprend pas d'autres attaques intéressantes. Enfin je vérifierai. Je vérifierai. Dès qu'il apprend plus d'attaques intéressantes, je le ferai évoluer en Raichu. Pour ses stats, tout simplement. Parce que Raichu ne peut pas prendre d'attaque vu que c'est un Pokémon évolué grâce aux pierres. Et on vient tout simplement de décimer 3 Ramalous. Zut, je suis jaloux. Fallait aller à Fajad ou à la centrale, mec. Alors, elle, j'en suis sûr cette fois. Enfin, j'aime pas trop dire ça, mais. Je pense qu'elle a des Pokémon plantes. Ah merde! C'est ça que j'ai oublié de faire depuis la dernière fois. C'est mettre la bicyclette en haut. Bon, je le ferai pour le prochain épisode. Merde, c'est elle ou celle d'en dessous? Hep! Dans le noir, fais gaffe où tu mets les pieds. J'ai pas glissé sur des pots de banane. Yeah! My brain is superior than you. Je sais. Ce n'est pas vraiment de l'anglais. C'est du franglais. Non! Ça y est, je me souviens pourquoi. Je me souviens pourquoi je me souviens. Oh, facilement en prison tout le temps. Paralyse en prison. C'est, je me souviens bien. Un Milofi, on va pas changer. Parce que là, on va prendre cher à cause du poison. On va mettre Pikachu! Donc, pour les jeunes générations qui nous regarderont dans 10 ans, peut-être, Milofée n'est pas un Pokémon de type fée dans cette version, elle n'existait pas. Elle a seulement été créée dans la 6ème génération Pokémon X et Y. Oui, ça commence à dater déjà pour vous. Bon, j'en fais peut-être un peu trop. Donc, il m'a endormi et je l'ai paralysé. C'est un réveil, ou c'est le dernier. Ouf, j'ai chaud. On va lui casser la gueule. Pouah. Headshot. J'ai rien compris. Tu comprends rien à la vie. J'ai vu un match à hub dans ce tunnel. Ah, si t'en as vu qu'un, c'est que tu t'es pas bien assez promené. Alors, on va voir si j'ai des antidotes. Je commence à être court au niveau antidote, etc. Remarque, je pense que dans la prochaine ville, il y aura des total soins. Bon, on va continuer avec Pikachu, même si je crois qu'il y a des Pokémon plantes aussi. Ce sont Pikachu des bonnes attaques normales. T'as des Pokémon, ok. Baston! Ah, ça va, j'ai juste l'éclaté. Mine de rien, nos Pokémon ils sont quand même assez haut level. Alors que les autres sont que niveau 20, nous on s'approche du niveau 30. Ah ouais, mais elle en a 4, c'est pour ça. Ouais, sinon c'est 25. Ouais, non. On a 5 levels d'écart, pardon. Ouais, mais. Comme j'ai entraîné Kaninos pour le remettre à niveau sûrement, parce que je pense qu'il va être aux alentours niveau 15 hein, Kaninos. Du coup, ouais, mais Pokémon vont prendre beaucoup de niveau quand même. En faisant les Twitch, les Switch, les Twitch. Alors, tonnerre. Bien, ça level up, ça level up. J'ai dit falloir en changer. On va être air bizarre, monsieur. Faut bien l'entraîner un peu aussi. Il va passer niveau 30. Ah, je crois que c'est niveau 30, il apprend tranche herbe en plus. Ou alors c'est après. Ou c'est niveau 32 quand il évolue. Ça spoil. N'empêche, je me souviens quand j'étais jeune, j'étais un gros noob. Mon air bizarre, il volait juste
compte la Team Rocket de Safrania, pour ceux qui savent. Pour ceux qui savent pas, vous verrez, c'est encore assez longtemps. Hein. Donc voilà, j'étais vraiment un gros noob, je crois que j'avais plus qu'à niveau 20 à cette époque, à ce niveau-là. Hein. J'ai bien changé depuis, hein, je suis devenu un PGM. Ouais, j'en rajoute un peu quand même. Bon, bah, non, non, y'a rien. Je viens de loin pour ces Pokémon. Quoi? Donc, on en est à 15 minutes. Moins les 5 minutes. Qu'ils ont pas été chronométrés. Donc je pense qu'on va durer encore un quart d'heure. Non, un quart d'heure, ouais, j'aurai le temps d'aller choper Kinos. Si. Si, si, normalement j'aurai le temps. Ah, Mysterbe. Oups. Mysterbe! Non, je ne trollerai pas dans cet épisode. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Ouais. Ouais, je l'ai quand même fait sourd, alors ça va. Hein. Donc là, il n'y a rien à commenter. Hein. C'est un let's play mi-commenté sur Pokémon Rouge. Quand il se passe rien, bah je commente pas. C'est troll. Ah, que voulez-vous commenter? Je les explose, voilà. Il y a la prochaine arène. Ah si, bah si, j'aurai Kaninos. Monsieur, on va les exploser alors. Peut-être que mon couple sera pris cruel ici là. T'as pas l'air si méchant pourtant. Donc oui, hein, ceux qui... Ceux qui connaissent un peu les types des Pokémon, ceux qui craignent le feu et les vols, ce sont les plantes, bien sûr. Et les insectes. Mais bon, là, c'est type plante, la prochaine arène. Donc, je pense qu'on va les exploser. Hein. Surtout que son meilleur Pokémon, je crois, est niveau 30. Mets-toi pas en veille, portable. Merci. Donc là, il n'y a rien. On a fini la grotte. D'ailleurs, ça dit quoi? Grotte Azuriel en ville. Et voilà, c'est la sortie. Donc il reste encore 2-3 dresseurs. Je vais déjà aller choper ça. Non, je ne connais pas le jeu par cœur. Pas du tout. Alors. Ouais, ça devrait passer. Cette randonnée m'a épuisé. Tant mieux, je vais pouvoir mieux te massacrer. Soy. Oh cool. Ouais, donc les Pokémon sont niveau 23 en face. Ils ont entre 20 et 23. Ça va. J'ai quand même assez d'avance. Hein. Oh, oups. Ah, Pokémon intéressant. Donc je le laisse vu qu'il a pas cruel hein, en face. Ouais, c'était quand même dur à l'époque d'avoir un Roucool. Parce que Piaf Abeille, lui, il a. Il a vite pique du début. Et après, je me demande s'il prend pas une autre attaque vol. Peut-être. Je l'ai pris qu'une fois Piaf Abeille pour tout vous dire. Parce que je préfère. Au Roucarnage, j'ai plus la classe que Rapace de Pique. C'est tout. Tranche herbe. Bah ouais, je l'avais dit. Oui, donc j'ai. Et oui, donc Piaf Abeille a pit pique et au cool il a rien. Et il a pour niveau 31 attaque ball quoi. Donc on va oublier 20 pigraines. Je pense pas que ce soit utile. Prochaine attaque que j'oublierai, de toute façon c'est charge. Je laisse tomber. C'est pas vraiment moment. Ces Pokémon sont trop trapus. Il en faudrait des roses en forme de jolies fleurs. Alors là,
je vais certainement faire une petite coupure, vous mettre une image de série Flore, et vous allez regarder ça. Parce qu'ils l'ont eu grâce à cette fille, cette idée. Voilà. Alors, après cette image affreusement horrible, mon portable s'est mis en veille. C'est bon. Alors, on en est 19 minutes. On va les faire bizarre. Ça va, mec. Putain, chaussure. Ah, caillou. Là, je me brouille un peu quand même pour que j'ai le temps. Zut, je regardais le chronomètre. Pour que j'ai le temps d'aller choper Kalinos. Alors, tranche et herbe, l'attaque la plus cheatée de herbe bizarre. Hein. Plus cheatée encore que l'ensoleil. Parce que. Coup critique. Coup critique. Coup critique. Coup critique. Tout le temps des coups critiques. Cette attaque a un taux de coup critique qui est de 95%. Regardez, j'ai encore fait un coup critique. Si j'en fais pas un, c'est que j'ai la poisse et que je suis maudit et que je suis cocu. Oui, je suis pas cocu. Ah, je ris pas, c'est les nerfs. Ok. Je crois que c'est le dernier ou il en reste un. Ah, l'air de la montagne, c'est vivifiant. Putain, c'est gars, il fait moins 15. Mais non, c'est vivifiant. Ouais. Et en plus, on peut l'utiliser 25 fois, tranchière, mais c'est plus puissant que Foualian qui l'a 10 fois, qui l'utilise que 10 fois. Quoi. Cette attaque est trop cheatée, quoi. C'est cool. Putain, lui, il a un Onyx et un Gravalanche, ça paraît, quoi. L'XP que ça fait. Même s'ils sont niveau 19, ça fait carrément l'XP. D'ailleurs, un Gravalanche niveau 19. What? Ratéo, il vaut du niveau 25. Me voilà, tout vivifié. J'en ai marre de la montagne. Et il en reste un. Hey, gamin, tu veux voir mes Pokémon? Je suis en train de penser que j'ai fait une grosse connerie en vous disant une image de série Flore. Ça se trouve, je vais même plus y repenser quand je vais faire le montage. Ouah, si, je regarderai de toute façon. À la tête, attaque tranchère. Ah, je vais avoir 5 minutes pour choper le Kalinos. Ah, en plus, je crois qu'il y a des tresseurs avant. Bon, tant pis, cet épisode sera long. Et puis voilà, c'est moi qui te les cite, de toute façon. Parce que si je capture pas Kalinos, j'ai rien à faire en off. Et c'est pas rigolo. Je vous signale. Bon, on va peut-être entraîner un autre Pokémon, là, parce que c'est bizarre, comment ça prend des levels. Yeah, mes Pokémon! What? Fail. Pikachu. Et nous voilà arrivés à l'avant-ville. Écoutez. Cette musique est totalement stressante. Du coup, grâce à la magie du montage, quand je vais ressortir, il y aura une autre musique 3 fois plus classe. Yeah! Mais avant ça, je vais aller poser le Pikachu. Oh, remarque. Non, il n'a pas cage éclair. Ça aurait pu être utile pour Kalinos, tant pis. Donc, je vais aller poser ce Pokémon totalement inutile. Et en sortant, vous aurez la musique la plus épique que vous avez jamais entendue à l'avant-ville. Oui, je l'ai trouvé complètement par hasard en cherchant mes musiques épiques contre les boss. Écoutez.
Donc moi ça le fait pas du tout parce que j'entends encore la musique de l'avant-ville normale. C'est pas grave. Donc là je vais snobber un peu les dresseurs. Oh putain. Bon, je suis obligé de m'en faire un. Je suis un joueur errant. Oui, si tu veux. Donc je snobber l'autre dresseuse. On s'y fera dans le prochain épisode. Putain ce troll. On se fera ça dans le prochain épisode. Moi je vais juste aller capturer Kalinos. Je l'entraînerai en off, sûrement dans les herbes où je vais le capturer. Je me ferai pas de dresseur. Ou je l'entraînerai peut-être dans la grotte contre les Onyx. Ça doit bien pex. Wouah, ce bug de son. Du coup, ouais, j'ai 5 minutes pour le choper. Ça va être court. Est-ce que je ferai en off aussi? C'est la bicyclette. On va attendre en première. Et oui, regardez pour mon sixième Pokémon. Une chose bien mystérieuse que vous ne saurez que quand je vous le dirai. Quand j'en ai envie. J'ai raté le jackpot. Bon, bah, c'est fini. Et voilà, donc c'est ces herbes ici. J'espère que je dis pas de grosses conneries. Parce qu'en fait, j'ai jamais capturé de Pokémon Feu dans cette version. Tout simplement parce que avant, je prenais pas de Pokémon Feu, je prenais un Pokémon Sol. Mais j'ai décidé de changer pour une fois. Ah non, avant je prenais pas d'électrique. Je prenais quoi à la place? J'avais Mew. J'avais un autre Pokémon. Merde, j'ai fait Météor au lieu de Tonnerre. J'étais en train de réfléchir. Vous voyez, il sera que de niveau 18-20, un truc comme ça. Du coup, je monterai niveau 26, je pense. De toute façon, il va prendre du niveau contre l'arène hein, après. Même contre les dresseurs là. J'avais quoi? Bon, on va fuir. Bon, j'ai encore regardé dans les airs, mais après, je regarde sur mon Pokédex parce que. S'il est pas là, c'est le troll quoi. Bon, je vais regarder sur Pokédex. Et s'il est pas là, bah tant pis. Sinon, je vous fais un accéléré jusqu'à ce que je le trouve. Parce que sinon, l'épisode va faire 50 ans. Alors. Kalinos. Ça veut dire Kalinos. Je sais pas pourquoi. Mais... Si, pourtant c'est là. Bon, accéléré jusqu'à ce que je le trouve. Sauf si je le trouve au prochain Pokémon, quoi. Y a mon chat qui vient de défoncer le lit. Maintenant il veut sortir. Bon, accélérer. Ouais les amis, l'accélérer inutile, peut-être je vous ferai même pas. Ouais mais si, parce que je dis rien, j'ouvre mon chat, alors c'est pas très intéressant. Ouf, niveau 16, ça me fait monter de 10 niveaux. Je sais... Oh, je sais, je vais pas le tuer. C'est bon. Oh non, le troll! Bon bah... Accéléré. Cette fois, je vais essayer de le choper direct. Arrête de me troll, hein. Et sérieux, c'est le même, quoi. C'est juste régène. Bon, on va faire un truc. Bon, bah voilà, donc ça sera capturé. En plus, je serai full vie, je suis prêt à m'entraîner. Protéger son territoire, il aboie au nord. Jusqu'à que c'est notre. À mort. Au nord. À mort jusqu'à ce que les intrus s'enfuient. Attends, j'ai un doute d'un coup là. C'était à mort? Mais à raconter n'importe quoi. N'importe quoi. Oui. Ah non, est mort. D'accord. Pas à mort. Bon. Les amis, je pense qu'on va se laisser ici pour cet épisode. Ce sera tout à fait acceptable. Bon, je vais remonter ce que j'accélère, ce que j'accélère pas. Si je pense à faire cette musique et vous mettre l'image de ces rifleurs. Parce que là, j'ai beaucoup de trucs à faire en montage. Bon. On se dit à jeudi. Et n'oubliez pas.
Allez voir les autres let's play, même si c'est pour les troller. Trollez-les dans les commentaires. Allez, à la prochaine. I wish that we were on TV, just like in Pokémon.